Et matin, nous avons fêté fête de moisson. Nous disons tout le monde bienvenue et nous saluons internautes nous qui sont habitués à adorer ensemble avec nous chaque dimanche. L'ensemble 105, ma fin lit ça, après ça, m'va demander nous pour camper, pour nous capables ensemble répéter le psaume 100. Louer l'Éternel, invoquer son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent à l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements. Campez ensemble pour le psaume 100. Ensemble, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. En nous criant ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. En nous dit, vive Jésus. En nous dit, Seigneur grand. Vous méritez adoration. Chapeau bas. Béni soit l'Éternel. À nous applaudir le Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et en prélude à service ce matin, nous avons fait place à chorale l'église Siloé. Que bon Dieu bénisse nous.
Et maintenant, l'Assemblée a prié de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire alternativement le psaume 96. Psaume 96, lecture alternative. La lecture alternative du psaume 96, et je commence. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Famille de peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dis parmi les nations et que l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge le peuple par les droits. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Ensemble le dernier verset, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir avec vous, le révérend Keno, dans la prière d'invocation. Immédiatement après, nous allons chanter le numéro 30 français et c'est pasteur Wana qui va conduire ce chant pour nous à la gloire de Dieu. On nous prie le Seigneur. Moun qui s'y met une crasse, après récolte une crasse. Et moun qui s'y met en pile, après récolte en pile. Moun qui baille sans garder derrière, ça n'a pas empêché de venir plus riche. Mais moun qui peigne, c'est pauvre, il a venir plus pauvre. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons, oui Seigneur, nous disons merci, nous venons dire merci. Si nous l'avons encore, Seigneur, si nous avons respiré, c'est grâce. En dépit de ça que tendez, ça que passé, au Dieu, vous permettez de nous dormir, ou sécuriser nous, protéger nous, ou restaurer le corps, nous, l'esprit, nous, protéger nous avec toute famille, nous. Et maintenant, nous attendons pour nous venir dire merci avec bouche nous. Avec ça nous posséder, avec ça nous mettez dans main nous comme gérant, pour nous capables de continuer à nous rendre, Seigneur. Merci pour toute grâce, ou qu'on aime mieux que nous, tout Seigneur. Parce que nous songeons, la Bible dit, au Dieu, nous avons fait des moissons, où tout le monde a baillé. Mais là, où n'y a pas de baillé, et puis Pierre est à côté, où, et vous dévoyez Pierre dans la mer, ouvrez bouche en poisson, qu'un poisson ouvre bouche, et puis il a l'argent. Pour capable porter dans participer dans moisson ça. Ça montre que Seigneur ou pas gain limite tout ça sous terre, tout c'est en bas contrôle ou tout c'est pour Seigneur. Mais dis-nous pour grâce au Seigneur parce que dit l'homme pas mettre souffle pour ta gain pouvoir pour le kembel, l'homme pas gain pouvoir sous pied li
pour ta diriger le côté le praler, c'est ou même qui gagne tout contrôle, tout bagay, comme ça nous vient du merci, nous reconnaissant, nous encore Seigneur baou l'orange, et nous, dans le moment matin, Seigneur, nous consacrer service à nous, mais au Seigneur, après une fin passion, semaine bénie, à travers serviteur au Seigneur, servant tout, serviteur spécialement, qui t'a parlé nous de tout, de en long et en large, Seigneur, parce qu'on dit c'est pour se parler cet esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Gardez-nous toujours, béni service là, Seigneur, permettre que tout ça qui va faire, chant qui va continuer à chanter, après être défini dans l'école du dimanche, tout témoignage qui va faire, Seigneur, message qui va prêcher, va faire tout dicter cet esprit, et moi, son ça va faire que il va y avoir un bagage spécial de sa moun yo pote, Seigneur, yo va remettre à tout cœur, Seigneur, pour que vraiment, on va continuer par yo, parce qu'on toujours gagne en réserve, malgré ça, l'homme d'abaye. Seigneur, vous connaissez toutes les choses, des forces ou des faiblesses, nous, nous continuons à dépendre de vous-même, Seigneur, parce que vous fidèles, promesses, vous n'êtes pas humble et pas humble en retard, vous toujours accompli, parce que vous avez une promesse très, très spéciale. Vous dites, nous, vous allez préparer une place pour nous, vous allez retourner, vous allez venir chercher nous, côté où il y a cela, napier et tout, et dans la moisson spirituelle, là, dans la moisson réelle, là, comme ça, nous sommes capables de quitter nous, Seigneur, pour nous capables de participer, pour nous capables de nous nommer. Même la donne Seigneur. Gardez-nous toujours Seigneur. Nous pas oublier les pays d'Haïti dans mon nom Seigneur qui est totalement malade. Mon dit si peuple ça pas connaît ou même ou pas connaît peuple là toute petite li. C'est ça qui grave. Seigneur, si pas de serviteur, si pas de servante qui t'a intercédé dans le pays d'Haïti, même Jean à l'époque d'Akab, Dieu Akab de virer la joune Baal, ou même obligé de virer de Baï, non seulement la peuple Israël, mais Baï la terre, mais t'es un prophète Élie qui t'a encore intercédé. Et là, Élie dit, c'est lui-même celle qui dit non, il y a 7000 hommes encore qui ont intercédé. Mais nous croyons avec assurance, il y a plus que 7000. Garçon conforme en Haïti qui a intercédé toujours, la terre des États-Unis, la terre d'Israël, la terre entière, tout c'est pour vous, Seigneur. Et les moissons, ça, Seigneur, permettent que collection ça va faire général. Gardez-nous toujours, nous remettre service à nous, mon Seigneur. Protégez-nous, bénis-nous, Seigneur. Ça, vous qui n'en route, et hâtez pas, Seigneur, vous capable de venir pour que tout le bagage est capable de continuer à marcher pour vous, grâce au Seigneur. Bénis-nous tout ensemble, protégez-nous, dirigez-nous, c'est comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Prier assemblée, l'assemblée est priée de se mettre debout pour nous capables d'entonner cantique ça et à la gloire de Dieu. La poussière est descendue.
Et la queue le péché devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère, et ce cri. Montagne tombée sur moi, cachez-moi, je suis en colère. Mais la objet ainsi grand amour, objet de si grand amour, et le Seigneur a retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu, ensemble. Oh Dieu, que tes grâces viennent toujours chanter l'inventer, toujours chanter l'inventer de celui qui leur pardonne. Gloire. Amen, les assemblées. On nous dit alléluia. Alléluia. On nous dit alléluia. 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 Gloire. 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 Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Applaudis le Seigneur. Merci. Très bien, très bien. Nous contentons de ce que nous là. Oh, il passe toi, c'est fort au ville, moi qui répond là. Frère Clotaire, vous contentez de ce qu'on a servi ça? Oui. Oui. Bon, ici là, nous contents? Oui. Assemblée, nous contents? Oui. Vous voyez, vous êtes en chita. Bon, me dit nous chita déjà. Nous faisons, j'arrête, yo, vous retournez, nous sommes en chita, nous avec moi. Bon Dieu, nous besoin contents, oui. Par de l'autre côté, nous avons pu bien passer côté où nous sommes là, non, matin. David dit, plutôt passer tout le temps dans le ciel pour aller mille côtés, l'autre côté, nous content. Ça nous dit, nous, bonjour, bienvenue. La paix du Seigneur soit avec vous, s'il vous plaît. Bon, nous content, oui. Internautes, nous saluons, même gens tous, fidèles internautes qui toujours ensemble avec nous dans ce loyer, qui branchent un peu partout, nous disons nous bienvenue, nous bonjour d'abord, et puis bienvenue, bonne adoration ensemble avec nous dans l'église évangélique haïtienne Siloye. Mais nous-mêmes qui présents, nous baillons accolade, il y en a avec l'autre, et il y en a salué l'autre, et nous en annonçons, Seigneur, nous en là, moi salué nous.
bagaille. Yes. Donc nous deux contents. Merci. Moi content oui moi même tout. L'aime dans l'église là, c'est là ça me plus content. Moi content dans présent mon Dieu, moi content pour moi nous. Oui. Combien de monde qui content ouais moi là matin. Combien de monde qui content ouais pasteur Marc là. Même pas même besoin de demander nous pour passer le bazin. Yeah. Merci. Nous saluons les musiciens qui sont avec nous. Je veux dire, nous manquons quelques négouilles, mais nous avons fait. Et qui sont avec nous pendant toute semaine, nous avons dit que nous apprécions ça. Merci beaucoup. Et puis, donc nous rentrons dans le cadre pour nous capables et saluer les visiteurs pour identifier les gens qui visitent nous, surtout pour la première fois. Est-ce que vous avez visiteur dans ce service-là avec nous? Bon, nous déjà gagné des jeunes qui prennent devant là. Et. Ah, Frère Chavan, à la. La Bible de Dieu, l'Église. Deux mois, ça va aller dans l'école là, nous formons un groupe chrétien dans l'école là, à côté nous évangéliser dans l'école là, nous parler de bon Dieu dans l'école là, nous. Frère Chavan, prends son pour parler, va aller voir. Prends son pour parler pour nous entendre. Ok. So, deux mois, nous allons dans la même école. Ouais. Alex, lui-même, il formé un groupe chrétien dans l'école à côté. Nous évangéliser, nous parler de bon Dieu avec Timon l'école, parce que nous toujours, il faut nous évangéliser, il faut nous faire le monde pour bon Dieu. So, deux mois, nous, son groupe nous fait, côté nous parler de bon Dieu dans l'école, là, nous évangéliser, nous prier pour each other, nous font groupe côté. Si nous si on a besoin de prière, nous relayons nous dit que ça prier pour moi dans ça. C'est avec eux pour qu'on aille nous faire évangélisation. Oui. Et nous chavons en mission. Oui, c'est. On nous demande de faire Janio virer. Faire Janio virer pour assembler à eux. Yeah. Welcome. OK, my friend. Nous comptons oui pour nous. Merci, Java nous font un good job et que continuez comme ça. Que mes pieds Seigneur. Ok, be blessed. Hmm? Nous contents de ce que nous accompagner Frère Chavan pour venir visiter nous. Dans le service à matin, ça fait nous plaisir. Bon, nous non encore Frère Chavan ou bien vous même. Non, moi c'est Alexandre. Carrel et moi Alexander. Alexander Dominique. Alexandre. Oh, ok. Monsieur, regardez, on basque en dans le ventre, on j'en dis gazon. Regardons un bel ton, un bel son, un bel note. Ok. Nous venons encore, venons nous. C'est pour nous venir encore. Merci. Nous sommes contents. Ça fait nous plaisir. Que bon Dieu bénisse nous. Bon dimanche, que nous enjoyons le service là, ensemble avec nous. Amen. Nous passons dans. Oh, nous avons une coupe noire. Qui là, moi nous l'a bien modé dans le service à la famille, moi couple là, je suis content. Et vous voulez moi présence, nous sommes bien content pour nous. Bienvenue, bonjour. Bonjour l'église. Bonjour. Moi c'est merci Eddy, ça c'est madame moi. Et je suis invité par tonton Raymond, qui est dans le là. Moi bien content là avec nous matin. Oh, Raymond, frère Mercier, Raymond, oui. Tonton Raymond, frère Mercier. Vous faites le job là, oui. Oui. Nous devons bailler bon Dieu gloire pour ça, oui, famille. Nous contents. Merci, frère Mon. Et puis, nous disons bienvenue. Non seulement dans le service, nous disons bienvenue dans le pays. Ya. Et que bon Dieu passe avec nous, accompagne nous, oriente nous. Et puis, pour des provisions qu'il faut pour nous. Et pour nous capables de prendre ça qui est dans le pays, dans petit bout de temps. Que bon Dieu bénisse nous. Merci de ce que nous là. Nous avons une dernière fois. Nous continuons. Oui, encore. Merci. En attendant, bon dimanche et mon Dieu bénis nous. Merci beaucoup. Vous va jouer pour nous encore, ça dit.
Ouais, ça dit de va jouer dans rien. OK. Pas mon canapé, mais moi c'est au moins l'église. Moi toujours marché depuis m'entrer en 94, m'a marché dans l'église ça. Marché dans pasteur charité. Ouais, chaque réveil nous toujours venir dans l'église là. L'impie pas bon, moi pas qu'à marcher m'entrer dans l'église là. Mais moi mandé nous pour aide prier moi avec Miss Mina avec canapé chaque jour, yo pas veut qu'il t'aime dormir. Y aller, yo prend, yo mettez mino. Nous pas qu'à trop long et pour vous dans ça matin, qu'on est toujours là. Oui, y aller juste d'ici à oui. Non, deuxième fois encore, yo canapé. Y a mettez, yo mettez mino dans poignet pour y aller Disney World. Là moi fait Disney World côté yo t'as pas mettez non. Bon Dieu fait au perdi mal non estoyes. Les rivières estoyes, l'hôpital la prend soin pour toutes 7 jours. Là ouais, on relève moi, Miss Mina dit si on passe, mettez des racogna, la vienne pomme. Et puis mettre plaisir là, payer, yo vienne mettre et l'autre est mort. Cogna moi-même moi là. Moi-même c'est nous, excusez-nous oui, n'a pas fonti ça pour qu'on on parlait déjà plusieurs fois dans l'église, nous connaissons témoignage là longue. Nous pas capable prendre en pile temps parce que nous pour nous capable aller avec service là. Moi c'est on va conclure pour nous dire pour nous prier pour vous, pas vrai? N'a prié pour vous, donc à la gloire de Dieu, nous bien contents que vous êtes avec nous encore matin. Hein? Oui, bon Dieu, continuez à faire route avec nous. Merci en pile. Et nous passons dans l'autre bord, à bord ici, à Sœur Jérémy, nous bien contents une fois de plus, nous réitérer sympathie nous à la famille là. Et qu'il était perdu maman, la semaine dernière, il était fait funérailles là. Et matin, il là avec Petitio. Nous voulons camper, peut-être pour plus d'un ou capable de qui. N'a parlé de Kimoun, c'est Jérémy Martin et avec Petiti. Bon, OK. Thank you. Good morning. Bonjour l'église. Bon Dieu béni nous. Beaucoup tendez nous. Bon Dieu béni nous. D'asseoir nous là pour nous célébrer, pour nous dire bon Dieu merci pour grâce li, pour miséricorde li envers nous. Parce que si nous capable espérer matin hein. Sans grâce, nous va plus bon passer l'autre jour qui allait déjà, mais il fait nous grâce nous la matin, nous pas prétend pile, me passe me trop bien non, mais pour le fond du travail si nous aime quitter l'église en bonnet, n'a excuse me pour ça. Avant m'excuser tête moi encore, moi dis l'église merci pour si pour nous. Me pas comment pour me dire merci passe. Me pasteur Juan, me pasteur Dominique. Gen maestro qui sou org non pasteur non qui campé là ensemble avec nous pendant enterrement maman qui relèm qui checké sou moi comme un monde qui pas jamais fait expérience de bagay monde qui mouri dans pays États-Unis m'pas jamais côté monde qui préparé tout bagay comme ça mais bon Dieu t'ai fait grâce campé ensemble avec et que pasteur Dominique pasteur Wen qui était campé là qui était bail tête comme volontaire m'pas demandé yo mais pour moi Jean yo était campé ensemble avec m'pral le fin avec nous gè un proverbe qui dit c'est l'homme qui monde malade pour qui monde qui ensemble avant c'est l'homme en souffrance pour connaître qui monde qui remont qui campé ensemble avant m'pas regrette que moi était dans l'église ça. M'bate gret, m'te kon marche dans l'église là. M'di tout monde en général, tout monde qui te vin participer dans cérémonie ça ensemble avec moi pour m'te célébrer la maman. Merci en pile, m'pa prêté non. Changer m'parlon mais non tout monde, mais non tout connaît qui moun noyé. Bon Dieu béni nous tout, I love you guys. Amen. Merci. Thank you, Sœur Linda et famille. Continuez, que bon Dieu bénisse nous tous, bon courage. Et tu me passes dans le bras, bon, c'est vieille connaissance, mais comme ça, les matins, moi. M'envoie au vignoué, moi, au vignoué l'église là. Donc, depuis qu'on bon temps, il va passer là, il est venu, bien content, bel et force offert à Sœur Gladys, pour capable faire les matins, moi, vignoué, non. Nous disons bienvenue, Sœur Gladys, bienvenue. Oui, je suis une balle, oui, c'est une dame d'abdou. Je suis content, ma tante, c'est deux graines de ma tante, trois, disons, qui étaient dans le grand ancien, je ne suis pas grand pile encore. Bon Dieu, bénis-nous l'église. Amen.
moi-même, quand il y a son paralysé, j'aime bien qu'on marche dans sa vie, on ne va pas marcher quand il y a même. Oui, bon, là, pour ça, nous comprenons. Nous, nous changeons, nous. Sa vie, c'est bon Dieu, c'est bon Dieu, bénis nous. Malgré, on ne peut pas aller dans le groupe d'avant encore, parce que quand il y a un syndicat bloqué, même toujours aller dans sa vie, on chita avec nous, même que des fois, nous baillons la gagne, nous dans l'église là. C'est ça, c'est ça. Et moi-même, tout changer. Nous donc fouiller pour nous la caille. Nous dormir pour nous réclamer de nous débrouiller. Amen. C'est ça qui est bon pour faire qu'on y a. Prier pour nous. Oui. Oui, oui. Bon Dieu béni nous. Ok. Amen. Merci, chère ma tante. Merci, cousine, nous mener. Et vu nous, et puis l'église. Ou y en a un gros job qu'on y a pour faire ces filos. Ou déjà disait, prier. Prier pour moi en pile. Priez pour petit moi, priez pour toute l'église là, priez pour tout le monde capable de changer. Bon Dieu avec vous, intercédez pour vous. Et que bon Dieu bénisse. Merci pour la matin. D'accord. Oui, moi quand même recevoir tout le monde qu'on y a là. Merci en pile c'est de deux. Vous mettez au fond posé qu'on y a, mettez micro. Oui. Oh, non, remercier tout le monde, surtout visiteurs qui passaient pour visiter nous. Nous disons bienvenue l'autre fois encore. Juste avant nous avancer ensemble avec le programme là, nous gagnons un artiste préféré dans l'église. Dans chaque fois qu'il passe, nous toujours fait place pour lui-même, il capable de chanter pour nous. Nous avons débuté ensemble avec Sœur Gladys, c'est lui-même qui va chanter pour nous à la gloire de Dieu. Right? Amandez-nous à nous, Sœur Gladys, un micro pour nous. De test. La paix de Dieu avec nous. Amen. Nous comptons, oui, non. M'a souhaité une bonne fête de moisson. Et m'a chanté pour la gloire de Dieu. Amen. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux de t'adorer, je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. De te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi.
vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, yeah. Oui, t'adorer, yeah. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui, t'adorer, yeah. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, yeah. Je veux t'adorer. De t'adorer. On dit merci à Sœur Gladys. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Un grand cantique. Et maintenant, nous allons se déplacer à la chorale l'église là, qui va chanter pour nous. En nous recevoir à la gloire de Dieu.
Yeah.
Merci, nous remercions Dr. Dumont et la chorale. Et maintenant, nous avons fait place à un groupe d'âmes, l'église, là, et on va chanter un premier numéro pour nous à la gloire de Dieu. Et puis, immédiatement après, nous allons faire place à semer de joie tout pour un autre morceau. Et groupe d'âmes avant, parce que chaque groupe y a chanté un morceau et puis l'on a fait un massage pour moisson et on va retourner, chaque va chanter un lot encore.
maintenant, nous recevons le groupe Semeur de joie. Thank you.
remercions le groupe d'âme et nous remercions ce maire de joie. Yon n'a pas gagné moins, mais laisse ce maire de joie chanter. Gagnons bon monde, yon père pasteur ouan avec diacre pour yon pas bail aux sanctions. C'est ça que fait yon pas lever danser. Mais moué yon prenne la tête, yon prenne dans épaules, yon prenne dans pied. Donc, l'autre fois, laisse ce maire de joie frapper, depuis nous sentir innocent, nous mettre campé, c'est moins que bon nos permissions. Right. Merci beaucoup. Et moment arrivé qu'on y a pour nous capables de recueillir les dîmes et les offrandes. Premièrement, avant de nous faire place à Prestime, nous allons chanter le numéro 11 français et nous allons demander Pasteur One capable de diriger pour nous et puis nous demander officiers responsables capables de passer devant, s'il vous plaît, pour capable prier. Ça, c'est offrande ordinaire parce que les nous avons fait des moissons comme ça. Enveloppe yo ban nou c'est après le message nous recueillir offrande ça mais qu'on y a n'a recueilli les dîmes et les offrandes n'a demandé c'est frère Oville d'Eliaza, c'est lui-même qui va prier pour nous, pour les offrandes et les dîmes. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes heureux en ce moment de nous retrouver dans ta présence bénie. Tu nous as fait du bien et tes bienfaits sont sans nombre. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans ta présence en ce moment pour te dire que nous sommes reconnaissants et aussi pour te témoigner, cher Seigneur, de la largesse de notre cœur, pour te témoigner, cher Seigneur, que tu es vraiment notre Dieu. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Libérateur. Nous allons en ce moment apporter nos dîmes et nos offrandes. Nous savons que, cher Seigneur, tu n'as pas besoin de ces dîmes ni de ces offrandes. Tu n'as besoin que de nos cœurs. Mais parce que nous sommes sauvés, nous devons participer à la pérennité, à la continuité de ton œuvre. Voilà pourquoi nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes. Bénis-les, multiplie-les, afin que, cher Seigneur, tout ceci puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Ceux qui vont participer, bénis-les. Ceux qui ne pourront pas, cher Seigneur, tu connais la cause. Nous sommes des humains. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, cher Seigneur, de ta toute puissance. Lorsque le moment est venu que nous ne pouvons pas, que nous n'avons pas la possibilité, tu sais pourquoi et tu peux changer la situation. Ceux qui ne pourront pas participer, changent leur situation afin que la prochaine fois, ils pourront vraiment dire ce que tu as fait pour eux. Ils pourront dire que tu as banni la misère, que vraiment tu as été digne, tu as été bon de leur côté. Nous te prions ainsi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Sonny, qui est maintenant, oui, en forme. Moi, docteur Dano Radeya, là, Martin Selikmen et Lélène. Je salue nous. Dans le nom de Jésus, je suis content de nous en présence. Chantons. C'est pas ça? Chantons du Sauveur, la tendresse. Parce que c'est l'échange donné à vous. 11 Français, chantons du Sauveur. Ok, c'est ça. N'a pas campé. Mm-hmm.
Chantons du Sauveur la tendresse. Avec même esprit, louange et adoration, ça. Et nous continuons ensemble avec même esprit, ça. Nous demandons à tout le monde si vous êtes capable de frapper mes yeux. Nous faisons que nous joyeux dans la présence, mon Dieu. Nous frappons comme ça ensemble. Bien bas, pour me faire lourd,
de coubi de moi pour faire l'ourage. Fom de coubi de don bien bas pour faire l'ourage. Simba ta loure. Combien moi ta gloire. J'ai l'âme songer côté Jésus de moi. Oh oui. Femme de coubi, don bien bas, pour me faire l'ouvrir. Femme de coubi, don moi, pour me faire l'ouvrir. Femme de coubi, don bien bas, pour me faire l'ouvrir. Ça pour me l'éternel, pour tout bien faire. Ça pour me faire, ça pour Levez mes mains en présence, bon Dieu, ma terre. En présence, tout perdu. Ça pour pas l'éternel. Pour tout bien faire, yo envers. Si madame Loura, qu'on est avec moi, c'est l'âme songer. Femme de coubi, don moi bien bas. Femme de coubi, don bien bas. Pour faire l'ouvrage. Femme de coubi, don moi. Femme de coubi, don bien bas. Pour faire l'ouvrage. C'est un chant joyeux, un nouvelle glorieux. Non, point le connu, non, le monde entier. Moi, j'aimais chanter. Et m'a proclamé, bon Dieu nous capable, bon nous la délivre. C'est bon Dieu, et même en présence, bon Dieu, il mérite louange. C'est lui qui toujours délivre, toute forme de péché, sous l'idée posée. Parce que bon Dieu nous capable, la délivre. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieux. Non, point le connu. Non, le monde, moi, j'aime chanter et m'a proclamé. Parce que bon Dieu nous capable à délivrer. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivre. Tout pas de péché sous l'une déposée. Parce que bon Dieu nous capable à délivrer. C'est bon Dieu, c'est bon Dieu. Capable de délivrer, c'est lui seul qui toujours délivre toute part de péché sous l'idée posée. Parce que mon genou capable de délivrer, seul moi qui connaît pour qui m'a voué. Seul moi qui connaît, pour qui m'a voué. L'âme songeur, quand essayé, oh Jésus sauvé, prie merveilleux. L'âme songeur, quand t'es protégé, oh Jésus sauvé, prie merveilleux. C'est moi qui connais, c'est moi. Pour qui ça m'a chanté? Oh oui, ma terre m'a chanté. C'est moi qui connais. Oh oui, alléluia. Oh oui, pour qui m'a chanté, l'âme songeur, quand t'es taillé, oh Jésus sauvé, dit merveilleux. L'âme songeur, quand t'es taillé, oh Jésus sauvé, oh oui, dit merveilleux. Toi, moi qui connais, c'est moi, pour qui ça m'a dansé, l'homme m'a dansé, c'est parce que mon Dieu s'est grâce dans la vie. Alléluia. Oh, pour qui ça, pour qui l'aime songer. Oh oui, dit merveilleux, l'aime songer. Oh, Jésus sauvé, dit merveilleux. Pour qu'on loue au accès, pour qu'on adore au accès, pour qu'on loue au accès, pour ça.
ou fait pour moi. Pourquoi nous remercier, pourquoi nous remercier, pourquoi nous remercier pour ça ou fait pour qu'on loue. Pourquoi nous remercier, pourquoi nous remercier pour ça ou fait pour moi. Pourquoi nous remercier, pourquoi nous remercier pour ça ou fait. Pourquoi nous remercier, pourquoi nous remercier. C'est une question de grâce, c'est une question de grâce, 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 grâce. Mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, 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 grâce. C'est une question de grâce, c'est une question de grâce, 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 grâce. C'est une question de grâce, c'est une question de grâce, 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 grâce. Oh, mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce. Grâce, 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 mon Dieu fait grâce, mon Dieu fait grâce, 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 grâce. Balancez mes enlèves si mon Dieu fait grâce. Balancez mes enlèves si mon Dieu fait grand merveille pour vous. Balancez mes en l'air sous connaît que bon Dieu réel dans la vie. Les hop gardé, les moun ap gardé, yo pa konn kote ou sorti. Yo pa konn ki ça le fait pour ou. Mais bon Dieu fait grâce. Bon Dieu mette ou sous moun. Bon Dieu faut ka camper. Bon Dieu faut là matin. Yeah, yeah. Balancez mes en présence bon Dieu. Balancez mes en présence bon Dieu matin. Bon Dieu mérite louange, il mérite adoration. Bon Dieu mérite respect, il mérite tout honneur. La vie, c'est pas n'importe qui. C'est grâce, bon Dieu, qui fait la matin. Sans lui-même, ou va t'ab là. Sans lui-même, ou va t'ab camper. Sans lui-même, souffle qui te non ou a te quitté ou déjà. Mais grâce, bon Dieu, faut capable camper matin. Là, moi, ça, bon Dieu fait dans la vie, petite-li. Ou pas arrêter pour pas étonner. Ou pas arrêter pour pas saisir. Pour ça, bon Dieu fait. Balancez mes mains en l'air pendant qu'on a chanté le dernier chant. Ça. Gardons bon Dieu, gardons grosseur, bon Dieu. C'est où, bon Dieu, qui fait toute qualité miracle. Moi, étonné devant puissance ou. Moi, adoré ou, moi, célébré ou. Oh, moi, respecté ou, moi, honoré ou. Moi bon louange parce qu'on mérite louange. Alléluia. Gardons bon Dieu. Garde qu'on sent bon Dieu. C'est où bon Dieu qui fait tout qualité. Miracle. Moi étonné devant lui. Oh, gardons bon Dieu, gardons bon Dieu, gardons bon Dieu. C'est où bon Dieu qui fait toute qualité miracle, toute qualité miracle. Moi étonné devant puissance. Oh, moi adoré, moi célébré, oh oui, moi étonné, moi étonné, d'avoir puissance tout. Oh, moi adoré, célébré, célébré.
gardons mon Dieu, car nous sommes mon Dieu, c'est où mon Dieu, il fait toute qualité. Salle-là, il méritait louange, il méritait adoration, plus fort, plus fort, plus fort. Il méritait, il méritait. Alléluia, nous disons merci Seigneur. Oh, gardons mon Dieu, gardons grosseur mon Dieu. C'est où mon Dieu qui fait toute qualité miracle. Moi étonné devant puissance, m'adorer et moi célébrer. Alléluia. De la parole de Dieu. Merci beaucoup. La lecture de la parole de Dieu sera faite dans Exode chapitre 23, les versets 14 au verset 19. Exode 23, verset 14 au verset 19. Exode, chapitre 23, les versets 14 au verset 19e. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le moir des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce moir que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilliras des champs des fruits de ton travail. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Verset 18, tu offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel
ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous, qu'à comprendre le contexte, nous, hier matin, nous l'avons fait spécial et c'est une fois par mois, c'est une fois par année, nous fêtons ça. Et nous avons un monde spécial qui est là depuis dimanche passé, qui a prêché pour nous. Nous avons un sujet ou bien un thème pendant toute semaine. Dans un monde en flamme, notre Dieu règne encore. Mais pour la fête de moisson de ce matin, nous allons joindre un sujet ça. La moisson vétérotestamentaire face à la moisson néotestamentaire. Donc, monde qui est placé pour capable de traiter ce sujet ensemble avec nous, c'est le docteur Reynold Jean-Claude Eddy Bazin. Donc, nous habitués ensemble avec nous très bien. C'est toujours avec un plaisir et c'est un honneur pour nous capables de passer cher au révérend docteur Bazin pour le message de la parole de Dieu. Avec vous, le docteur Bazin, mais juste avant, nous avons passé Pasteur Wan pour capable de chanter thème là pour nous parce que nous pas fini avec ce semaine. Amen. En 1979, en Haïti, Pasteur Childéric t'a pas marié, Childéric présumé, qui est un peu de monde connaît. Nous étions étudiants dans Emmaüs. Et puis, il a invité quelqu'un de nous. Il n'y a pas de monde qui a marché dans le mariage, qui a marqué pas, comme cavalier d'honneur. Donc, dans le temps passé, pas de gain possible tout pas de gain pile rad les orelo pour un mariage là pour fond dépense sont tête chargée mais nous te dégager non et pas besoin qu'on uniforme là complet non de pour gain tête veste là ou ca mettre n'importe mandal et de comme ça bagaille là té et puis m'aller côté dans rue 14 côté boss era était on taille là Wilson jeune garçon qui écoute bien pour à l'époque et puis c'était taille nous tout nous baï. Et en toile, il fait marche en toile, puis il fait un veste pour moi. Il finit pour un mesure pour veste là bien fait. Et donc, my boy, parce qu'il était en vacances, dans un petit bout de temps comme tout. Jour mariage là pour y fête là. Mais là, c'est là, ça a été un rendez-vous. Mais je cherche un veste là dans l'après-midi. Bon, zone 4 heures. Les m'rivés, non seulement Boss Wilson pas là, il ferme un shop là. Il semblait que veste là pas fini. Et n'abraï paré pour nous habiller pour nous mariage là, dans rue 13. C'est là tout garçon qui d'abraï. Je rentre quand il y a un chaud, je me déconseille le veste, je me quitte dans le campus là, puis son veste, je me mettais tout le temps, c'est pas de lui. Je me baguais, l'un qui n'a pas habillé, je me dis, je me baguais un veste, et je me décide pour me baguer. Je me dis, dame qui campe côté, je me chaud là pour nous faire photo. Et dame d'honneur. Et puis, il n'a pas habillé en dedans, dans le bail là, il y a plusieurs garçons qui étaient là, tant que son pension, dans Henri 13 et 12. Et puis, il y a une closette en dedans, qui a plusieurs rades. Les messieurs, ils ont dit, je vais chercher un veste là pour vous résoudre. Un petit mythe, même pas de connaître mon nom, et puis finalement, je garde dans le veste là, mon bel veste, bien plus, son bel type veste. Je pas connaître, et puis, je m'oblige à prendre même tout jeune, mettre le veste là sur moi. On prend Mary, Nana fait photo, et puis nous tournons après ça, après il commence à danser pour le mariage là. Mais moi-même, pas confortable parce que ça va pour moi-même, pas mettre fesses là. Et puis, ce l'homme prend la rime, presque après dans le convoi, m'a passé devant, alors il laisse ça. Non, il a parlé de mettre fesses là, il a dit que fesses là, c'est pour Eddy Bazin. Il est en là. Mais même de reconnaître même pas te dire ça. Et puis quand il y a c'est l'heure même m'embarrasser, c'est l'heure m'absorbe dans la veste là. Bon, quand on a dit là ça veste pas gain toute veste bon pour tout le monde.
et je vais pas développer, non, mais. Et puis elle est dans la rue, et puis elle croise Bapou Bapou avec Pasteur. Et dit, dans la rue. Le, dans la rue, je vois moi, puis elle me garde, que je ne pas faire rendez-vous avec elle, verset qui tire sur moi, je regarde. Je me sens, je regarde. Pasteur garde, je me souris en soleil. On sourit d'appétissant, avec amour. Depuis fin, je me souris ça, et puis je me sens bon. Moi, je. Je me sens bon. Et puis. Je me range et je me conforme dans le mariage, nous faisons photo et puis nous tournons, les beautés de Bali. Comme si c'est pour lui, c'est un plaisir. Puis ouais, que qu'on frère, a mis des râteliers. Ça te marqué, moi, je me dis ça, oui. Avec un pilote bagaille encore. Donc, il te fait ça, etc. À nous, quand vous nous chantez, thème là. Notre Dieu est encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, et tout nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Comme David, c'est one more time. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au pont. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Merci. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il m'a donné d'être avec vous ce matin, surtout pour vous offrir le message de sa parole. Je remercie également les pasteurs de l'Église de m'avoir cédé leur position. Et je vous remercie enfin de vouloir m'écouter. Matin, n'a pas fini ça qui était commencé dimanche qui se passait là. Et me t'aimer brièvement parler avec vous au sujet de la moisson vétérotestamentaire face à la moisson néotestamentaire. Deux gros mots, ça y est, seulement expliqué que, bon façon, moisson est faite dans l'Ancien Testament, bon l'autre façon, que le fait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, merci. Mais, ça permet moins d'utiliser une méthode qui nourrit les méthodes interrogatoires. C'est qu'est-ce que la moisson, pourquoi la moisson et comment célébrer la moisson. On sort de qui, pourquoi, comment. La saisie d'un des qui a fait moisson a commencé depuis dans Genèse chapitre 4.
Et chaque combo nous en passage, je pas trop en pile, c'est ça. Na l'île, na vérifier, puisque c'est la parole de Dieu, na d'accord avec. Gagné un ancien président des États-Unis qui dit on le que la Bible est l'un des livres les plus importants du monde. Chaque fois qu'on l'ouvre, tel passage qu'on a lu des vingtaines de fois resplendit soudain d'un éclat nouveau. On a bien pour nous ce matin. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, du verset 1er au verset 5, on ouvre la Bible pour nous suivre lecture ça. Adam connut sa femme, Ève, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est reconnaissance, n'est-ce pas, c'est pas vrai? Et bien, non, ouais. Bon, expression de reconnaissance à l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Deux professions, ça y a été marché de pair. L'agriculture et l'élevage. Presque jusqu'à présent, quelqu'un de nous, en Haïti, qui était agriculteur, nous comprenons ça. Ou bien jardin, ou bien deux, trois cabris, deux, trois bœufs. Et s'il le faut même, deux, trois cochons. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ou bien bon Dieu s'en gagne, c'est pas vrai. Mais nous pouvons voir que bon Dieu n'est pas toujours satisfait le ou bien ça qu'il par aimé, parce que bon Dieu a un goût. Chacun de nous qui l'a matin, il y a un goût, n'est-ce pas? Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son troupeau et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'examen de ce que nous venons de lire oblige-nous à faire une petite observation. En pile théologien semblait comprendre que deux monsieur Sayo étaient jumeaux. Peut-être c'est pour la première fois qu'on attendait ça. Pour quelle raison? C'est parce que il y a des indices qui t'a semblé expliquer ça. D'abord, depuis le verset premier, pour tomber dans la naissance Caïn, pour Abel, la brièveté de l'histoire montrait que Yonte semblait fait l'un de l'autre et que t'as pas jumeaux vrai. Deuxièmement, même là, il y a deux corps, chaque corps particulier, payo, mais il y a presque même cœur. Il y a un cœur qui était rempli de reconnaissance et de générosité à Dieu. Et troisièmement, il y a été bâillé à bon Dieu, ça y a gagné, au lieu que il y a été troqué avec l'autre pour de faire mascarade, pour de faire show business. Social business. À la vérité, comme ce n'est pas sujet à ça et que ce n'est pas étude biblique, permettez-moi de continuer. Frère M. Mio, ça a peut-être parlé, c'était une perception de la moisson. Ça que nous entendons par perception, c'est un terme psychologique qui expliquait que ça où est qu'on est là, ce n'est pas lié véritablement. Ou pas le gagner pour un vrai bagarre là, t'as l'air comme ça. Si nous t'avons prêché ici un dimanche soir,
et que t'a fait noir, nous t'a éteint presque tout en poule. Nous t'a lagué un ceinturon noir à terre là. Qui perception a de ceinturon noir ça? Son snake, n'est-ce pas? Et si ou même c'est un monde qui ophiophobe, super snake, ou absent ou dans mauvaise posture, ou commencer à essouffler, ou gagner les poils hérissés, le dos gonflé, les jambes courbées, ou envie courir et ou envie faire bruit. Ça, c'est la perception. C'est même bagaille qui arrive matin hein, avec moisson. Nous gagnons perception de moisson. Vous voyez quoi même? Mais la Bible n'est pas corrélée comme ça. Ça montre que non seulement bon Dieu a un goût, mais l'Éternel Dieu, frères et sœurs bien-aimés, prend plaisir à recevoir de ses enfants ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est important, quelque chose de valeur, pas jamais bon Dieu, bagaille qui n'a pas d'importance, bagaille qui n'a pas de valeur. Je ne connais pas si pasteur ici qu'on fait expérience ça, ou bien si trésorier d'église qu'on fait expérience ça. Je vais compter l'argent de l'église là. Pour quelques graines d'eau là qui chiffonnaient, qui manquaient de morceaux. On n'a pas choisi l'autre pour le bailler parce que derrière, il n'y a pas de prendre. Et puis, il votait le bail, bon Dieu. Peut-être ici, on n'a pas fait ça. Même qu'on ait quelques congrégations en Haïti qui fait ça, et dans l'église par nous tous, nous comptons parfois très attristés de nous voir ça, de trésorier l'église nous. Dis-nous ça, frères et sœurs bien-aimés. Nous t'ai dit tout au début que bon Dieu, gain goût, semblait gagner quelques bagailles que bon Dieu t'a dit à monsieur yo. Que yon a observé particulièrement Abel, qui débaille bon Dieu yon offrande, qui fait bon Dieu plaisir, et plus tard, on va le comprendre que j'ai guérison, parce que la Bible va le dire à plusieurs reprises, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et Abel te mette-li sous bonne pente. Mais Caïn, cet exemple, de un monde qui pas baille certaines choses importance. C'est l'exemple de monde ça qui manque respect pour figure bon Dieu. C'est l'exemple de monde ça qui a dit m'dere dit travail pour faire moins m'a baille bon Dieu ça me voulait s'il pas voulait à faire garder n'est-ce pas? En réalité, si tu as conservé, tu as presque eu guérison, l'aurait dit travail, ou après d'un homme, ou pas bien sauvé. Il n'y a pas de faux bail temps, parce qu'il n'y a pas de travail pour ça, ou pas de douleur, il n'y a pas de vente. Nous sommes j'ai expression ça, n'est-ce pas? L'homme bail mon bagage est venu trop petit, en Haïti dans les années 70, il dit mon cher, contente-toi avec ça, ou pas de vente. Donc, ou pas de vente, ou pas de cob. Eh bien, bon Dieu, pas content, comme nous nous semblait, te gagner un règlement à suivre. Bon Dieu, porter un regard favorable sous offrande à Bella, et le montrer à Caïn catégoriquement que l'hypatrin met offrande par là. En plus, nous qui l'a frère, monsieur, c'est le monde qui m'a marié, n'est-ce pas? Quelque dans nous, le processus de mariage va être facile. Parce que l'autre dit, monde, ça va remettre, il te remonte tout. Mais, dans nous, le processus n'est pas facile. C'est 2-3 mois, parfois 2-3 ans. Ça dit, l'autre a suivi vous pour qu'il vous nouille avant d'être d'accord parce que il y a un goût. De grands chiens Haïti, on le qui pas très même maïs. On le fait fond maïs pour lui. Il sentit qu'il va manger. Pour un sauce viande, moi, je mettais sous lui. Il nichait, sauce viande, il ne pas manger maïs. Je mettais sauce poisson sous lui.
il niche sauce poire, il pas manger maïa. Il mettait viande axo sous maïa, il mangeait viande, il crasait zoal, pas manger maïa. Hein? Ça explique que chien, il a goût. Ça, il dit, il paraît, mais il vrai. Frère, monsieur, il y a des choses où il bon Dieu, il va refuser. Il pourrait quand même, mais bon Dieu, il a goût. Bon Dieu, jetez un regard favorable sur l'offrande Abel. Parce que non seulement Abel débat de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et apparemment de toute son énergie, mais amour que Abel de gué bon Dieu, de gué pour bon Dieu, il était varié avec ça que le tabac, ça était bail. Ou pas qu'à bail bon Dieu, ti cal bagay si ou remè bon Dieu. Ou pas qu'à bail bon Dieu bagay qui bagay importance si ou dit ou remè bon Dieu. Si ou remè bon Dieu, il m'en débouvé sacrifice. Et Abel de fait ça. Nous utilisons un mot simple qui n'est pas un mot simple vraiment dans le langage grec. Là, on parle de sacrifice. Moa, c'est thousia en grec. Et il sorti dans un autre mot, thanatos, dont le préfixe th vini fait signifie la mort. Là, on fait sacrifice. Gen la mort là-dedans. Et si je dis quelqu'un nous va comme ça, diable peut-être pas lui connaître très bien parce que là, il dit qu'il faut un sacrifice, il espère que c'est moun ou bien bête que Wabali. Il m'a dit parfois, frère Semyo, à cause de l'amour que nous gagnons pour le Seigneur Jésus-Christ, pour nous faire sacrifice, parce que lui-même, en réalité, qui ça le fait pour moi avant, c'est sacrifice. Il mourit sur la croix pour nos péchés. Ça veut dire en retour, ces mêmes bagailles-là pour nous faire tout pour le Seigneur. Maintenant, avant cette casse-pied prêt pour nous commencer à sentir à faire moisson. Si vous voulez regarder avec moi dans Genèse chapitre 8 et le verset 22. L'Éternel Dieu dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire que Dieu choisit pour faire une sorte de partenariat avec nous, frères et sœurs, non seulement avec cultivateurs, non seulement avec éleveurs, mais aussi à chaque monde à qui il te baille bien, à chaque monde que il te baille bénédiction, frères et sœurs bien-aimés. Ainsi, ça nous baille matin comme moisson. Ce n'est pas parce que l'Éternel n'a pas possédé, il crée, il bannouille, et il tient à ce que nous baillons tout en retour. L'examen de ça nous dit là, aidez-nous à comprendre qui sa moisson y est. La Bible parle de trois fêtes qui étaient obligatoires pour les enfants d'Israël de célébrer chaque année. Ça mène nous dans qui sa moisson y est. Nous sommes en perception, nous tombons en réalité qui sa moisson y est. C'est ça au bail bon Dieu qui a un rapport avec les produits de la terre, produits agricoles, qui a un rapport avec ce élevé dans le jardin ou avec bagage que bon Dieu bénit. En réalité, la moisson, frères et sœurs bien-aimés, c'est une fête qui était célébrée par les enfants d'Israël, une fête au cours de laquelle ils étaient offrés à l'Éternel des produits agricoles. Cependant, il y a une exigence qui était faite dans Exode chapitre 22, du verset 29 au verset 30. Du verset 22, 29 au verset 30, pardon, on nous font un petit garder pour nous.
tu me donneras aussi le premier-né de la vache et de ta brebis. De ta vache et de ta brebis, il sera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point la chair déchirée. Dans les champs, vous la jeterez aux chiens. Gagner certaines exigences que bon Dieu fait à ses enfants, s'agissant de la moisson, ou plus précisément de la fête de la moisson. On retourne à produits agricoles qui étaient gagnés dans le temps. Ça, il s'agit de maïs, produits qui étaient donnés dans le jardin, raisins, blé, avec blé, il était fait pain. Gagné particularité dans le type de pain, tu gagné pain bleu, tu gagné pain d'orge. Alors, pain blé a été un petit genre plus connu, la Bible parlait de lui en particulier. Tu gagné olive, tu gagné pomme, tu gagné mandragore, tu gagné figue, tu gagné abricot, tu gagné l'ail. T'es gagné amande, en français c'est amande. T'es gagné cannelle et plusieurs types d'épices. T'es gagné grenade. T'es gagné date. T'es gagné laitue et plusieurs types d'autres légumes. T'es gagné melon, noix, oignons, pistaches, etc. Je dis à nous offrir un peu l'autre bagaille au Seigneur qui a existé au Proche-Orient, nous pas citer nos Konya pour faire économie de temps. Mais même j'entends nous offrir un peu le bagaille que nous gagnons en Occident, dans les Caraïbes, là, que nous même dans tout nous pas gagné. Nous, comme monde qui travaille, comme urbain, monde qui rete la ville, nous pas toujours gagner fruits pour nous porter par le Seigneur. Nous baillons les fruits de nos revenus annuels. Nous baillons fruits que sur nous générer. Nous baillons fruits que l'énergie nous générer. Nous achetons des bagages nous porter vini. Nous baillons l'argent. Et l'éternel Dieu, frères et sœurs bien-aimés, il prend plaisir dans les bagages. Je me sens l'homme de Viti en province. Le gagné fête, te kon gagné fête de moisson dans l'église par nous, moun te kon pote cabrit, mené cabrit, mené cochon, mené bœuf, poule, corden, etc. Moun nan pote sal gade par le Seigneur, parce que keul te dit, mais qui j'en pour le faire ça. Mais pour qui raison célébrer moisson, même les enfants d'Israël, de célébrer la moisson comme une sorte d'ordonnance. Pour eux, c'était une obligation pour te bailler à l'Éternel, ça l'Éternel te baille, de sorte que l'Éternel te capable de prendre plaisir dans ça que il t'a pour recevoir de leur part. Nous avons dit tout au début que l'Éternel Dieu prend plaisir à voir ses enfants faire de bonnes choses. Bon Dieu prend plaisir leur bali. Et il prend plaisir tout pour baou en retour. Frère Semio, 400 ans d'esclavage en Égypte, c'est pas 400 jours que tu y es, c'est pas 400 semaines, c'est pas 400 mois non plus. 400 ans d'esclavage, frères et sœurs bien-aimés, c'était symbole de misère, symbole de honte, symbole de préjugés. Symbole de fatigue, de complexe d'infériorité. L'on a esclavage, ou pas qu'à lever tête ou garder patron, hein, c'est pas vrai. Le, ou non esclavage, il y a des gestes, patron faire ou pas qu'à répliquer. Je vais raconter l'histoire de certains épictètes, ils ont esclaves philosophes, ils ont leur patron, le maître lui a joué avec mail comme ça. Monsieur garde patron, il dit, patron, seulement si vous continuez à tordre des mains comme ça, la fini par casser. Parce qu'il n'y a pas qu'à dire non, ou pas que doit qu'il y ait même.
Et l'homme est venu casser qu'on y a. Monsieur dit, c'est exactement ça me dit tout à l'heure. De douce, continue à tordir comme ça, on continue à jouer comme ça. Il t'a cassé. Ouais, il cassé, oui. Esclave n'a pas de volonté. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, frères et sœurs bien-aimés, tout corps était en Égypte. Toute énergie était en Égypte. Les oreilles étaient en Égypte, il y a tant de yeux en Égypte, il y a ouais. Bouche était en Égypte, il y a parlé. Mais leur volonté était absente. Parce que le c'est esclavouillé ou pas de volonté, mettre la dit à droite, à gauche. Yo, t'es fait ça pour faire le Seigneur songer que t'es reconnaissant envers yo. Parce qu'après 400 ans de misère, de problèmes en Israël, en Égypte, pardon, faut que tu fasses bon Dieu. Qu'on a été reconnaissant envers le fait qu'il était resservi et retiré dans l'esclavage. C'était 400 ans de chagrin, de peine, de tristesse, de toutes sortes de privations, 400 ans d'inégalité sociale, ou pas de semblant avec l'autre là, ou pas de semblant avec le patron, 400 ans de dictature la plus féroce des pharaons. Partisans de la servitude des enfants d'Israël. Et à un certain moment de la durée, lorsque l'Éternel Dieu t'a décidé de retirer le peuple dans l'esclavage, le peuple t'a manifesté reconnaissance envers l'Éternel de diverses manières et particulièrement par la moisson. Qui Jean, peuple Israël, t'a célébré la moisson? Je dis un mois avant nous célébrer Lyon notre Jean. Nous porter l'église là, les fruits de nos jardins, ou bien les produits agricoles que nous achetons, nous porter au bail le Seigneur, ou bien produits agricoles que nous faisons nos cadeaux, ou bien ça nous est planté dans la cour la caillou. Moi ici, devant votre caille, plusieurs haïtiens, ou bien dès la cour caillou, yo fait jardin bonan, yo planté cocoyer. Ils ont planté noir, puis l'autre bagaille. C'est sûr que quelqu'un de nous, t'es gain produit ça y est, par reconnaissance au Seigneur, nous porter au la matin, en nous battre bravo et dit que le nom du Seigneur en soit béni. En nous battre bravo pour ça. Même si le contexte dans lequel nous avons vu aujourd'hui, en tant que monde, que nous avons les urbains, nous avons vu dans grande ville, nous n'avons pas gagné une grande quantité pour nous porter, pour nous faire une explosion de moissons impressionnante, non seulement au Seigneur, mais à l'autre monde qui a regardé, mais que nous, c'était déjà un cœur de moisson. Depuis où vous parlez de moisson, où est-ce que vous êtes dans le jardin, où est-ce que vous êtes élevé, où est-ce que bon Dieu est où, et que vous devez en retour. Comment peuple a été célébré la moisson. Je dis à nous célébrer les autres gens. Nous portons vini, nous baillons comme tout, nous chanter, nous jouer musique. Nous avons des chorales là tout à l'heure qui t'avaient exécuté des pièces musicales. Ça te fait plaisir et c'est sûr que ça fait bon Dieu plaisir et tout. Mais dans les temps bibliques, il était fait les autres gens. Mounio te pote, ça t'a pote par le Seigneur pendant la fête de moisson, avec un peu de joie. Yo te chanté des psaumes. Aujourd'hui, puisque nous paresseux, frères et sœurs bien-aimés, en tant que chrétiens des temps modernes, nous pas chanter psaumio. Les psaumes, c'est chanter, de qu'on chante. Nous paresseux, nous lions de préférence. Mais longtemps, c'est chanter. Yo te chanté psaumio. Nous avons rentré dans le tabernacle, dans le temple, nous avons rentré en présence du Seigneur. Nous avons rentré avec joie, en chantant, en dansant. Nous avons marqué pas devant le Seigneur. Et la petite histoire dit que mesdames, nous avons façon, nous avons marché. Mesdames, nous avons façon, nous avons dansé devant le Seigneur. Je connais ce qu'on voit ça. Le garçon et la fille ont dansé devant le Seigneur. Ou pas qu'on voit la différence là. Le garçon a une façon, il a une école.
go façon de virer, fia go façon de kembe ceinture, go façon de faire robli. Il est content de la présence du Seigneur le jour de la moisson, de la paix, bon Dieu, gloire, de le vin poté, sa qualité doué pour poté par le Seigneur. Les enfants d'Israël, de qu'on fait ça au son de la moisson, frères et sœurs bien-aimés. Musique, instrument à jouer. Et nous relever que en pile dans l'instrument, ça y est, presque pas existé encore. Et quelques autres même existaient sous l'autre nom. Nous te relevons en liste, telles que clochette, cymbale, gong, tu as un instrument qui est le sistre, tu as une harpe, tu as un tambourin, tu as un psalterion, tu as une luth, tu as une lyre, tu as un sambuc, tu as un triangle, tu as un chalumeau, tu as une corde de bélier, tu as une flûte, tu as une trompette, tu as un cri de joie, tu as un battement de main. Nous sommes contents d'avoir rentré dans la présence du Seigneur au son de la musique avec ça que le Seigneur te baille et que il te baille tout en retour, frères et sœurs bien-aimés. La fête de la moisson, c'était une fête de joie. Le jour de la moisson, frères et sœurs mieux, c'est pour aller au jour de joie tout. Le seul jour où la moisson pas toujours un jour de joie, c'est le jour mettre la poêle l'eau pour le bord, sans mériter, il va aller l'autre là pour le bail sac de travail pour lui. Parce que monde qui te travaille pour Satan le diable, le jour de la grande moisson que le Seigneur va le diriger, ou pas gagner même récompense avec frère ça qui te travaille pour bon bagaille. Si vous Seigneur qui t'a fait méchanceté, qui t'a fait crime, ou même Seigneur qui t'a raï, mon Dieu, ou même Seigneur qui t'a raï la parole de Dieu, ou même Seigneur, frère Samio, le service a fait tout pas là, l'offrande a fait tout ouvrir et tout fait un coup pas ouais, ou t'écris bien envers l'Éternel au dernier jour, ou pape joue une sorte à remé gagné, frères et sœurs bien-aimés. Et l'observation de ça nous dit là, l'imène-nous dans Matthieu, chapitre 28, du verset 18, 19 de préférence, au verset 20. On nous faut regarder. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Après la résurrection de Jésus-Christ, il était pour le confier à ses disciples, aux 11. Comprenez que Guillaume qui va là, Judas va là. Je dis à mon abri les petits dieux, tout l'autre nom sauf Judas. Et pourtant, erreur que vous commettez, Jude, c'est un diminutif de Judas. Sur les tribunaux Jude. Son autre Judas tout. Mais bon Dieu n'a pas tenu compte de nom, il a tenu compte de cœur, mon nom, quel que soit Jean d'Arélé. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus vient par M. Dissibio la meilleure conception de la moisson. Qui plus bonne conception ou gagne aujourd'hui au sujet de la moisson? Entre un monde et un cocoyer, même le a fait tous les deux. Frère Samuel, aujourd'hui, quel que soit l'effort que tu as fait pour t'abattre, bon Dieu, on va qui sort dans le jardin, on produit qui sortit, quand on regarde les bêtes, moutons, cabrites, bœufs, etc. La grande moisson des âmes, c'est une moisson qui toujours fait bon Dieu plaisir. Et la Bible fait nous comprendre que il y a une grosse fête dans le ciel là. Pour qui ça? Pour un seul pécheur qui se repent.
ou pas bay pécheur yo importance. D'ailleurs devine non ou elle pas gain importance, c'est pas vrai. Et pourtant la Bible dit un seul pécheur, un seul magouilleur, un seul maître d'âme, un seul criminel qui repentit. Bon Dieu content, les anges dans les cieux, yo content, frères et sœurs bien-aimés. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Li intéressant, ce n'est pas nos séminaires nous, ce matin, ce n'est pas nos instituts bibliques. Même je veux dire, ça dit intéressant, dans verset 18, dans verset 19 là, pour que le verbe que nous avons à l'impératif « aller » dans la langue grecque, c'est plutôt le présent de l'indicatif qui dit « pendant que vous allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et ça montre que ou pas un prétexte aujourd'hui hein, pour dire que ou pas capable aller ou pas un prétexte pour dire que c'est pas que fait pas capable aller, c'est ça que fait pas prêcher l'évangile, c'est ça que fait pas faire évangélisation. Phrase là veut dire en réalité pendant que vous allez chemin faisant, pendant que vous allez dans la market là faire des disciples, pendant que vous allez travailler faites des disciples, notre travail là même faites des disciples, et même à l'église, nous avons l'obligation, frères et sœurs bien-aimés, de faire des disciples pour le Seigneur, ou t'as dit que c'est l'église où il est, ou bah t'as besoin de faire des disciples, et pourtant que mon église là qui n'est pas convertie, vous obligez de former pour le Seigneur dans le comportement, dans le tempérament, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, dans sa garder dans le côté pour aller, même si au monde l'église, ça va empêcher au bas de trois mots l'évangile, parce que souvent, il n'y a pas gagné. Il raconte une histoire, il y a un monsieur qui était le Mickey Cohen, monsieur qui souffrit de déficience mentale qui te fait le volant, une maladie consacrée à kleptomanie, une déficience mentale qui fait ou toujours pour faire moun, même si ou pas besoin, ou prend quand même, l'arrivé dans la cour, la gueule en côté, ou bien on fait moun, cadeau, ou bien on vend ni, ou prend comme là. Alors le kleptoman, c'est seulement Dieu qui guérit, parce que la Bible fait provision pour ça. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si c'est une nouvelle créature, si on change, eh bien oui, il va garder tout le bagage encore. Si c'est une nouvelle créature, bouche ou changer. Si c'est une nouvelle créature, mais on change. Alors cet homme, à un certain moment de la durée, à Los Angeles, en Californie, Billy Graham finit prêcher un sermon. Monsieur qui était passé une bonne partie dans la ville, dans la prison, et de temps en temps, qui est en prison, tout. Et voilà pourquoi, frère M. Mio, vous ne pouvez pas regarder frère ni soeur sous apparence pour dire un tel te vole pas ses chattes. Il te vole pas ses chattes vraiment. Mais je dis, il est frère, il est gras comme chrétien. Il n'est pas gras comme voleur, quoi. Il est gras comme chrétien. Il est frère, parce que le Seigneur te fait provision pour lui, la vie change. Il va même mourir encore. Malheur à où? Si vous dites un tel, c'était tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, alors que le Seigneur changeait la ville. Puisque la psychiatrie va être vraiment développée aux États-Unis, de temps en temps, monsieur, dans la prison pour voler. Et à un certain moment de la durée, la police bouquait avec monsieur. Ils ont payé monsieur chaque mois.
et mandé monsieur pour collaborer avec yo pour faire pour faire rejoindre l'autre gangster puisque il déconnait yo. Pendant plusieurs mois, ça marchait bien. Un jour, le Billy Graham fin prêcher, hein, monsieur monté sur l'estrade là, Mickey Cohen, il dit viens accepter le Seigneur comme sauveur moi. Bel exploit, n'est-ce pas? Nous, même qui habitués avec le système, non, là, nous prêchons l'évangile. Un monde qui était chrétien déjà levé campé, il dit, il y a une requête de prière, la vie spirituelle n'est pas trop drôle avec mon Dieu, aidez le souffle de la prière, il met à genoux, vient camper, nous prier pour lui, nous contents. Mais là, son criminel qui vient camper devant, qui dit, quitte le crime, nous plus contents toujours. Tout le monde content, le Mickey Cohen qui était contre casser caillot, violer petite, violer madame, brûler machine, vient camper devant Billy Graham, dit vient accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Ça finit, M. la Kaili. Pendant 2-3 mois, ça allait bien, M. l'église, chaque dimanche matin, chaque dimanche soir. Tout le monde, c'est Frère Mickey. Frère Mickey Cohen, il y a un certain moment de la durée, puisque monsieur a une déficience mentale, la maladie volo, kleptomanie. Monsieur de kleptoman, monsieur voit une note sur radio et dans la télévision qui dit « Lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je n'avais jamais la prétention d'abandonner ma carrière de gangster. » Partout à travers le monde, il y a des médecins chrétiens, des ingénieurs chrétiens, des professeurs chrétiens. Quant à moi, j'ai voulu devenir un gangster chrétien. Ça montre que, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas seulement la moisson de l'Ancien Testament qui est importante, que nous avons fêté chaque année, mais la moisson dans le Nouveau Testament, la moitié des âmes, la moisson des âmes, les plus importants toujours, parce que moisson, ça, nous devons fêter chaque jour, chaque minute dans la vie, nous, chaque côté nous y est, et même en dedans de l'église là, parce qu'il y a des frères et des sœurs de l'église là qui ont besoin de cette moisson spirituelle. Le grand jour de la moisson céleste va arriver, et là où corriger un frère, ou corriger une sœur, ou aider en tant que homme, parce que l'âme de toute personne est cette personne même. J'ai toujours aimé utiliser l'illustration en des jours comme ceci pour faire mieux comprendre de façon relaxante que vous-même en tant que chrétien, ou capable de fêter, parce que Jésus t'a aimé fêter tout. Il était fêté la Pâque, vous songez ça. Il y a un bagage qui a fait nous mal en pile, c'est que le groupe là-bas, j'aime de gain corbe. Chaque coup pour fêter la Pâque, son caillou obligé de louer. Pour payer taxes, c'est un bouchon poisson, Jésus prend un corbe là. N'est-ce pas? Pour aller à Jérusalem, son bourg, il brûlait. Pour quelle raison? Parce que dans 12 yon, te gen yon qui te besoin de la moisson spirituelle quotidiennement. C'était Judas. Chaque homme qui était dans la caisse, il voit l'oyo et la Bible est claire. Lorsque yon nan mesdames, zami Mario, tes amis Jésus, te vin lage parfum sous cheveux, mouillé, radié avec parfum, bonne odeur, sué, colli, pied, figure, mêle avec cheveux. Au lieu que Judas était content de ce que Maître a recevoir gloire, mais puisque cœur c'était haine, c'était ambition, c'était vol qui était là-dedans, monsieur fâché, et le même qui était fait prix, et parfum ça, la Bible dit, c'est pas parce que monsieur de gain pitié pour les pauvres que j'ai dit, ça ne fait pas de kembe comme là, kembe vendre parfum, hein, et puis mettre l'argent dans la caisse pour les pauvres, mais la Bible dit, c'est parce qu'il était voleur. Et que tenant la caisse, il savait prendre ce qu'on y déposait. Qu'on est capable d'accord avec que même à l'église, il faut gagner une moisson, frères et sœurs bien-aimés, la moisson de l'âme.
pas fâché avec nous. Ce que je vais vous dire maintenant va avoir un caractère polémique. Parfois, dans les églises, quand il y a célébré moisson, l'église a abondé de fruits agricoles, de produits agricoles, qui sont ramenés à l'église, apportés à l'église par des mains sales, qui ont été choisis par des yeux remplis de convoitises, qui étaient fomentés par des bouches pleines de médisance. Puis, gros régime, bon, non, prendre, couper le vinavel, m'a porté le matin pour Jésus, alors que bouche moins pleine de médisance là-dedans, à l'endroit de tel frère, à l'endroit de telle sœur. Ça veut dire que moisson, il concernait dans l'église tout, frères et sœurs. Je me tape avec pasteur Marc Dominique, qui a une illustration. Aussi, j'ai un pasteur Khalidé, un autre pasteur font baptême. Il y a une grosse sœur qui vient apparaître. Le pasteur a dit, où est-ce que ça qui vient là? Pas qu'une sœur, là, une jazz comme ça. Là, il y a une minute pour bouche les laver. Frère, je ne sais pas qu'il y au monde qui a lavé la bouche de monde qui l'a dit. Pas qu'il y au monde qui est capable de laver la bouche de monde qui me disant. Pas qu'il y au monde, frère, je ne sais qui est capable de laver la bouche de monde qui parlait sans yeux pas ouais. Mais on connaît l'évangile de Jésus-Christ. Frère Semio, il lavait que mon nom d'abord. Après ça, il lavait bouche, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Aujourd'hui, Frère Semio, n'a pressé pour nous à la caillou, pour nous manger. Quelque temps, nous parlons de travail vita, quelque temps, nous parlons de notre activité. Mais n'oubliez jamais ce grand jour de la moisson spirituelle qui marronnait avec cette moisson de produits agricoles, produits efforts nous, produits mains nous, produits sur nous, produits là, j'en aurais dit travail, vous lis, n'achetez pas des bagages pour le Seigneur. Je vais finir. Ça ici, nous y est. J'ai décidé le matin, j'ai été tout protocole pour ne pas présenter devant nous comme un fin théologien, pour nous comprendre une série de caractéristiques qui gagnent dans la moisson offrée au Seigneur. Entre un bout de banane et un zoo, qui est-ce qui fait chien danser? Pour quelle raison? Parce que c'est son plat favori. C'est pas la vérité. Sur mon chien, on bout de banane. D'ailleurs, quelqu'un n'a pas mangé du peuple, il va coller dans le gorgio. Alors que Zoa est dur. Mais le fait que c'est son plat favori, on gonfle son campé. Bon, j'ai dit avec coller. Qui j'ai dit fait? Il souque la chai. Il se croit que c'est pour moto qui j'ai content. Là, mangeons un bon bagaille. Matin, frère, monsieur, Jésus content, bon Dieu content. Hein? Parce que nous faisons un bon bagaille. Nous témoignons à l'Éternel respect, reconnaissance face à ça que le bon nous. Et bon geste, Jésus t'a fait. Au sujet de Tienne, que vous comptez en pile, au sujet de ce geste, nous comptons crier. Je m'a réfléchi, m'a pensé à ça, que bon Dieu serrez vous nous dans les cieux. Qui compte la Bible le plus souvent dit, bon Dieu y est. La Bible dit l'Ishita. À la droite du Père.
Bon, parce que je donne le cas d'Étienne, la Bible dit Étienne ou Jésus, debout. Pour que Jésus connaisse. Que Jésus content. Il est chité à la droite du Père. Le Étienne a fait belle bagaille. Étienne a dit pardonnez-vous parce que je ne sais pas comment ça a fait. Étienne a mouru avec la joie de mourir. Jésus préparait pour nous recevoir l'âme d'Étienne comme la plus grande moisson de tous les temps. La Bible dit Étienne voit Jésus debout, il devait camper pour lui bailler la main, pour lui bailler accolade, pour lui dire bienvenue, frère Semio. Que ce jour de moisson fait nous songer que frère Semio, ce n'est pas seulement moisson comme ça pour nous offrir à l'Éternel, c'est offrir nous-mêmes au Seigneur, comme un sacrifice vivant, tant que l'apôtre Paul, le plus grand théologien du Nouveau Testament, après Jésus-Christ, a ordonné nous pour nous faire ça. Si tu es un monde matin, qui t'a porté cocoyer, qui t'a porté banane, qui t'a porté figue, qui t'a porté yam, plusieurs autres bagailles venues, nous faisons compliments, nous complimenter au nom de Jésus. Mais si il y a un tout qui est venu, nom ni de vide, que le vide, ou bien de plein chagrin là-dedans, de plein tristesse là-dedans, de gagner amertume là-dedans. Si tu es un monde matin qui est venu visiter nous, qui est en difficulté avec un frère non seul, qui est dit, je vais fréquenter un tel encore, le monde ça tout le temps, 7 pelletés, 10 pelletés, va tomber sous fiel, moi je vais me réconcilier avec elle. Ou même c'est la plus grande moisson de ce matin. Levez camper pour nous prier à vous. Et si vous avez gagné un monde comme ça, bonne journée, bonne fête de moisson et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remercier le Seigneur pour la parole. Espérant que tout le monde détende des messages là et nous recevoir. Et que le message là, il fait nous bien. Qu'il a dans le cœur nous utiliser, non seulement pour minute ça, mais qu'il a servi nous pour nous aller vers l'avant, jusque dans l'éternité, pour mener nous dans l'éternité. Pas oublier le message de la moisson qui prêchait ici, matin, hein, dans l'église là. Merci Seigneur, merci Pasteur, Docteur Bazin pour ça. Étant donné que le message est fini, pas fin, et puis ben nous, mais levé pour nous capables de ramasser mon rasson. Hein? Et c'est ça que nous pourrons faire là. J'en ai habitué à faire, nous avons classé et nous avons ramassé mon rasson en ordre, par catégorie. Nous avons toujours aimé faire comme ça. Mais pendant ce temps, nous avons une animation qui a fait pendant que nous avons porté mon rasson. Et. Parce que tu as fait conclusion, si tu as un monde, d'après mes salaires, qui a pour faire une décision, malgré la moisson, il est important pas aller sans que nous ne pas bailler ou pas remettre cœur au Seigneur. Nous avons un temps pour vous, pour aider vous. Dans ça. Pour patience. Mais quand on a fait moisson, oui. Si tu as un monde qui va te faire une enveloppe pendant que le responsable, Diakio, pour aller prendre place devant, pour nous porter moisson. Hein? Il y a campé nos positions avec plateau yo, pour nous ramasser moisson. Hein? Nous avons fini bien chelbe. Et pendant que le groupe yo pour chanter, nous avons fini en cadence. Je dis nous, les deux films étaient paletot, pasteur et puis dans le mariage là. Nous avons passé dans plusieurs, nous avons couvert tout au cap, aller dans plusieurs adresses. Yo, pour yo te wem fechel, ben gen ta y di an pil moun bonjou, sali an pil moun, bien brode. Mate an vini brode, a ke nou an joa, ke kontan pou nou bay moason. Na pe rele, goup dam, an premier position. Dame en première position à nous suivre groupe dame semblé au grand belle cadence au braille bail là et à rentrer avec joie dans cœur avec cantique et à faire nous revivre de
ancien là nous t'ai célébrer en Haïti surtout moi c'est attitude ça et on va manifester là en nous quitter groupe la blanc entrer premièrement et m'après bay donner qui j'en apporter moi son l'em va annoncer premier monde cap jeter comme toujours exemple c'est leader et on capoter moi son par en premier pasteur qui là et comité tout leader qui en général tout leader diakio l'autre monde qui est responsable n'a déplacé vinance et vin déposer moisson. Ensuite, on a demandé les enfants, tout le monde qui était baillé, si nous avons fait ça, baillé une enveloppe pour déposer dans moisson, on a baillé opportunité ça pour si nous capable de venir. Groupe d'âme, j'aime bien faire publicité pour groupe d'âme, qui est le groupe d'âme pas. Semble le groupe d'âme pas avec moi. Parce que c'est ça me déconnecte, je fais un étalage ça pour vous, même. Oui, dis groupe d'âme nous parle, nous relayons déjà. Frère, déjà campé, s'il vous plaît. C'est programme là, ça. Si le groupe d'âme pas venu, n'a pas avancé, mais nous pas carré l'eau encore, non? Ok, ok, bon, moi, apparition. Très bien. Cap suivre nous, c'est groupe d'âmes qui cap entré avec fruit en mélo. Alléluia. Qui signale, symbolise moisson en fruit, de fruits et tout le genre que bon Dieu ban nous. Nous pouvons vous l'imaginer ici dans l'église, s'il vous plaît. Des leaders capables de placer, passer par plusieurs portes en marchant, en cadence, venez déposer enveloppe, s'il vous plaît. Les leaders en premier. Pasteur, il va commencer. Ok, groupe d'âmes communauté en grande quantité, tout pour passer la guerre. Enveloppe tout.
On a écouté les leaders. Merci, groupe d'âmes, pour l'apparition et pour l'offrande nous. Si tout les leaders sont venus, on a demandé ce mois de joie qui gagne en musique pour nous. C'est l'aimer les mounions pour nous lever et pour venir. Quitter les mounions qui doivent déposer ou quitter ou déposer. N'a pas les, ensuite les enfants. Si mounions qui gagnent au fond, nous pouvons aller les visiteurs ni l'autre mounion. Venez, ok? N'a pas de petits mounions qu'on y a capable de venir avec au fond, non? Tandis que se met de joie. Voilà. Timoun y a venu vraiment. Merci famille là. Famille yo qui mettait enveloppe dans petit moun sa yo pour venir na, pour participer dans l'offrande là. Bravo pour nous Timoun. Good job. Est-ce que j'ai yo, un jeune qui mettait enveloppe? C'est un jeune. Qui peut être un enveloppe de déposer pour nous tous?
Merci, ok. Et nous avons bien commencé, nous avons fini, même Jean, avec l'esprit d'adoration et fête là. Et nous félicitons nous d'ailleurs pour participation, nous, comportement nous, et parce que nous avons pris disposition pour nous mettre tant ça part, venir réjouir Axiloye et pour nous faire fête là, ça hier. Nous disons bon Dieu merci d'avance, nous disons merci tout le monde, les leaders, les anciens de l'église, tout comme ça, et puis tout le monde assemblé, merci. C'est grâce à vous qui fait que nous avons fait moisson. Et nous, là, on bon petit temps, et vous pouvez y observer, nous ne pouvons pas venir pour nous aller, j'en ai pas aller là, que de poisson, nous avons mis fin dans ce service-là par la prière et bénédiction, prière de consécration. Docteur Bazin a venu pour faire prière finale de consécration et la bénédiction. Nous avons demandé, s'il vous plaît, à nous faire silence absolu maintenant pour nous prier, pour nous clôturer, faites-là avec toujours la même. Et attitude que nous avons gagné là. À nous caper l'activité qu'on y a et donc pour nous capables de clôturer ce service là. Merci beaucoup. On nous campe, s'il vous plaît. Seigneur éternel, papa nous qui pire dans le ciel là et qui vivons au siècle des siècles. Nous retournons devant une autre fois encore. Même fois ça, c'est pour nous dire merci pour toute bagarre qui a eu lieu à l'église là aujourd'hui. Nous disons merci pour toutes les frères et sœurs bien-aimés qui étaient là. Pour ça qui n'est pas présent parmi nous, qui la caillou qui t'a suivi nous. Pour ça qui est l'hôpital, Seigneur. Pour ça qui est même Haïti et qui t'a attendu nous. Qui t'est béni par les chants, par la musique, qui t'est béni par le message de ta parole, et qui t'est béni, ô Dieu, par la prière qui t'est faite déjà. Nous disons merci, ô Dieu, de ce que tu as inspiré nous à venir fêter cette fête de moisson avec nos frères et sœurs bien-aimés. Et nous espérons certainement que dans un grand jour moisson dans les cieux, nous tous, qui la matin habla, c'est souhaitable pour fêter avec vous, Seigneur, parce que c'est vous qui chef moisson. Nous disons merci pour tout pasteur de l'église là, pour diacre, pour diaconesse. Nous disons merci pour les professeurs d'école du dimanche, pour la jeunesse, pour les chorales, les maestros de l'église. Nous disons merci au Dieu pour vous qui fait propreté l'église là. Qui te rend clean, pour nous bien chita là-dedans, Seigneur. Ou remet belle bagaille. Et c'est sûr que nous te prenons notre matin. Nous voilà la caille, nous, Seigneur. Non seulement bénir les produits de nos efforts, cocoyer, banane, figues mûres, ananas et l'autre produit, nous devons encore, Seigneur. Mais bénir ce jour même de grandes moissons spirituelles. Si journée est une journée de bénédiction pour chacun de nous, on va continuer à bénir nous. L'autre façon, Seigneur, mettre la joie dans le cœur nous. Fait que dans la caille nous aujourd'hui, avec la satisfaction du devoir bien rempli, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous guide, et qu'il soit avec nous dès à présent. Et jusque dans la vie éternelle. Amen. Allez en paix. Merci.